Abinader fait fly. Je continue à faire ça. Il m'a dit, tout le monde rentre dans la production nationale. Là. La caille, c'est la caille. Non? Et moi, à profiter et répondre à deux questions. Puisque c'est deux questions que vous posez. Premièrement, sous question de interdiction d'entrée Saint-Domingue. Le président Abinader signé en lice que le mandat pour nous avons interdit d'entrer dans Saint-Domingue. Sous question ça, moi-même, je crois que ni Canada ni États-Unis étaient déjà sanctionnés. Il y a tellement de prises sanctions que déjà nous avons un processus judiciaire avec eux, côté que nous avons un avocat des deux côtés pour nous travailler sur ça. Si un pays, comme l'Angleterre a été fait, livre pour des solidarités là États-Unis Canada, ils font notre sortie pour nous dire que les gens qui ont sanctionné États-Unis Canada, eh bien, ils interdisent d'entrer dans le pays, nous n'avons pas aucun problème, puisque c'est ça où est la solidarité de pays en droit international. Mais, si un pays qui lui-même prend la liste sanction Canada, États-Unis, et puis l'a fait piquer coller là-dedans, il prend ça à il va prendre ça à il ajoute, il met, ça sont notre question. Il n'est pas objectif encore, question vini subjectif. Et la question subjective, moi, en droit moi-même, poser plusieurs questions. Parce que, souhaitons nous mettre tout le monde, c'est parce que le Sahara ou même, ou agir selon intérêt par. Et puisque le sénateur La Tortue, en trois fois, tenait déjà des antécédents avec la République dominicaine, nous rappelez-nous. Et le premier bagage, c'est la question de Petro-Caribé. Son sénateur dominicain qui était signé un contrat de 400 millions de dollars à gouvernement haïtien, sénateur Bautista, que moi-même, personnellement, moi été convoqué pour me demander des explications sur ça. Donc on est Jean, ni parlement dominicain, ni gouvernement qui est fâché de ça. La deuxième chose, c'est sous président Privert que le on matin nous levé comme ça, et puis nous tendez que les soldats dominicains dans le pays, les allés dans la marine et haïtienne, nous avons des soldats et nous exigeons dans 24 heures de temps pour quitter le pays. Parce que si vous comprenez l'histoire de ces deux pays, vous voyez que la difficile pour les soldats dominicains de venir stationner comme ça dans le pays. Mais là, ça a fait un deal. Président Medina a fait contact avec moi par un conseiller. Moi, j'ai été avec elle et moi, j'ai élucidé la question et moi, j'ai expliqué que je n'ai pas de problème fondamental avec l'armée dominicaine ni avec l'institution dominicaine, mais à partir du sens de l'histoire, il est impossible pour soldats dominicains stationnés comme ça en Haïti. La troisième chose que nous connaissons que en pile monde dans le secteur privé au niveau de l'agriculture dominicaine t'es déjà fait menace, c'est la question de la ferme. Question ferme là, c'est que production n'a pas dépassé 50%, 40%. Non, production, nous c'est à peu près 10% de production nationale. Mais cependant, nous avons encouragé tout jeune, tout investisseur dans tout département produit ZEA pour que nous avons arrivé dans l'autosuffisance. Et monsieur pas content. Et on a dit que le sénateur La Tortue est un danger pour l'agriculture dominicaine. Non, moi-même, moi pensé, puisque la question n'est pas objective, c'est subjectif. Moi, je viens de penser, c'est surtout dernier ça, que les gens ont besoin, ils ont besoin de fermer, fermer. Ils ont besoin que les Haïtiens n'aient aucune idée de production nationale pour que nous tournions vraiment marché dominicain. Et c'est ça, bataille là, et je dis, côté que, justement, Haïti doit tourner un gros marché pour la République dominicaine. L'IPA doit produire, c'est la République dominicaine qui doit produire pour nous. C'est dans ce sens ça, ils ont été dans l'œuf, et bien tout le monde qui a intention de produire, dont moi-même. Et peut-être ça, moi dit, dans ce sens ça, Abinader fait fly. Parce que nous avons continué à produire et nous invitons tout le monde à rentrer dans la production nationale. Là, parce que la production nationale, là, c'est lui qui développe le pays. Et j'aime dire, la caille, c'est la caille. Moi-même, si c'est bataille pour défendre le prestige national, là, les soldats dominicains de l'Europe, si c'est bataille pour nous combattre la corruption, les défaits Petro-Caribé. Si c'est bataille pour production nationale là, le nous qui est là, on va toujours retrouver du côté du peuple haïtien et le Sahara, quel n'est pas de pays qui prend sanction ou pas prend sanction. Moi-même, je pense que la bataille là a continué
Parce que bataille pour Haïti, ouais, c'est une vraie bataille là. C'est pas pour défendre l'intérêt privé. Ok, dans telle lutte, pareil, comment ça touche psychologiquement les noms figurés ensemble avec Izzo comme chef de gang dans la liste pareil pour prendre la République? Comment ça touche psychologiquement? Il y a deux bagailles dans la liste là. Premièrement, moi je dis que le fait que le pas objectif, c'est subjectif, ça montre que justement niveau de démocratie dans le pays yo, niveau de passe qui a littéraire en République dominicaine. Parce que moi dis, si je dis à nommer là comme monde dominicain de supporter sanctions États-Unis Canada, je ne dis rien. C'est parce que moi justement bon niveau d'intérêt privé qui a réglé nos questions publiques. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, associer non sénateur la tortue avec non l'autre monde, c'est justement une provocation. C'est une provocation pour que, eh bien, vrai problème qui gagne, c'est avec nous qu'il y a un problème. Dans la production nationale, là. D'ailleurs, nous, soit font lycée, soit fait par ordre alphabétique, ou bien fait par ordre de fonction. Bon, c'est l'homme qui est en premier. Et l'homme qui est en premier. Donc, ça veut dire que, vrai problème là, il y a résolu avec nous dans la production nationale là. Et puis, je dis, il y a connaissé ça, il connaît son provocation. Moi, je ne vais pas prendre une provocation. Je vais continuer avec moralement. Au beau fixe, continuer avec une ligne. Sécurité, c'est haïtien pour faire. Production nationale, là, c'est nous pour faire. Nous, on verra aide, mais l'aide nationale, l'aide donnée au pays, doit nous aider à sortir de l'aide. Maintenant, ça, qui ça, et sénateur, a compté faire, est-ce que vous souhaitez faire entrer dans le cadre légal de tout ça? Non, nous n'avons rien pour nous faire. Mais le cadre légal, là, nous avons déjà entré avec États-Unis et Canada. C'est juste, eux-mêmes, ils ont empêché que nous entrions dans le pays. D'ailleurs, pratiquement, m'bal c'est domaine. M'bal en rien, c'est domaine. Ok? M'bal en rien, c'est domaine. Tout le monde connaît que le sénateur la tortue qui a tout investissement. Gonaïve, Port-au-Prince, Léogane. C'est ça, yo, m'pas besoin ni visa pour aller là-dedans, m'pas besoin ni passeport pour aller là-dedans. Donc moi-même moi j'étais toujours connaît que au monde qui rivait dans niveau au niveau de politique là, il doit un exemple dans l'économie, il doit un exemple dans social là. Donc je dis à moi quoi que eh bien n'a continuer bataille, nous pas prendre provocation et nous quoi que question ça eh bien très bientôt information absolue sur toute subjectivité de conseillers haïtiens, de anciennes autorités haïtiennes qui réunit à Abinader, qui t'a pris sanction, qui a retiré non, qui a mis non. Question l'absolue quand même. Moi-même, je ne vais pas avancer sous lui. Et pas moi qui a dit, même qu'on est la presse, n'a bien information très bientôt. Sénateur Latoutier, nous connaissons, sénateur plusieurs fois et chef au parti. Est-ce que toute sanction ça au pays Canada, les États-Unis, Kounia et Saint-Domingue, est-ce que ça y est pas aller en côté par rapport avec et pour pas dire boycott des icônes ou des têtes qui étaient déjà dans la politique là? Est-ce que là c'est pas déjà en campagne qui a mené? Bon, moi-même, moi pense que c'est une question qui, depuis un moment, réfléchit. Bon, comprendre comment on a quitté. C'est des pays étrangers qui ont déterminé ça pour le faire dans la question politique, qui ont pris une sanction, pas pris une sanction, pas de bail-boil, qui ont bloqué, qui ont mis à bandit. Eh bien, le ça. Les pays n'ont que des intérêts. Si je dis à un haïtien qui a intérêt à Haïti avant, c'est-à-dire qu'il n'a pas intérêt à nous-mêmes, il n'a pas intérêt à l'autre pays. Non? Donc, ça veut dire que les nations n'ont que des intérêts, les nations n'ont pas d'amis. Et moi-même, le fait que nationaliste m'a défendu l'intérêt Haïti, moi j'étais déjà connu et moi j'étais déjà attendu dans pile pays qui pas sous même ligne avec et les gens possibilité à y a fourré un homme dans n'importe qui liste. Ça c'est pas le problème. Le problème est-ce que m'a travaillé dans l'intérêt d'Haïti? Oui, et c'est dans ça que m'y. Il y a un message pour nous finir pour papa ici. Message là, m'te dit le dire. Abinader fait fly. M'a continuer faire zure. Il m'a dit tout le monde rentrer dans la production nationale là. La caille, c'est la caille. Okay. Merci.